Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite ouverture de courrier. Donc en fait, ce sont des retours suite au concours auquel j'ai participé. Ah, ici, j'ai une enveloppe qui me vient de Maryse, de la chaîne de Briques et de Brocs. J'ai participé à son concours, mais je n'ai pas gagné. Par contre, Maryse est quelqu'un de très généreux et d'adorable. Du coup, elle nous a envoyé à chaque participante, elle a envoyé un petit quelque chose. Vous allez voir, c'est magnifique. Je l'ai ouvert, hein, bien sûr, parce que je suis très très curieuse. Alors, déjà, son enveloppe est très belle. Regardez ce beau tigre. Magnifique. Et de très jolis timbres. Voilà. Donc, une petite carte de félicitations pour avoir participé au concours. Voilà, une très très belle carte. Avec ces perles, je les trouve très très belles ces cartes, ces perles. J'en ai eu à une époque et ben, je suis un petit, toute usée. Je n'en ai plus malheureusement. Mais j'ai trouvé vraiment très très jolie. Voilà, une très jolie carte. Et dedans, coucou, merci beaucoup pour ta participation. Gros bisous. Ben, écoute, c'était un très grand plaisir de participer. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'adore les concours, ne serait-ce que pour créer, quoi, tout simplement. Alors là, j'en ai plein en retard et j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Je vais essayer de faire celui de Maya. J'espère avoir le temps. Bon, j'ai un petit peu, c'est pas tout de suite la fin, donc j'ai encore un petit peu de temps à voir venir les choses. Et voilà donc ce que m'a envoyé. Maryse, alors, très très joli nœud. Alors dis donc, un superbe ruban, une très très belle présentation. Et dedans, un bijou d'album. Il est super beau, tout dans les roses, avec des breloques, une étoile avec une petite fée dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Pas très bien. Des perles, de la dentelle rose et des rubans. C'est magnifique. Il est très très beau ce bijou. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Maryse. Merci de tout cœur. Allez, on passe à la suite. Donc on continue sur les concours. J'avais participé à celui de Brigitte, dans l'atelier de Brigitte. Et j'ai gagné le lot numéro 2. Donc elle m'a envoyé son lot. Je l'ouvre devant vous. Celui-là, il est arrivé ce matin. Donc je n'ai pas encore déballé. C'est bien scotché. Comme dit Brigitte, on va essayer de tout déglinguer. Allez. Par contre, j'ai essayé de pas me couper parce que je suis pas très douée. Ça pourrait bien arriver. Alors, voyons voir. Si je suis destinataire, ah, pas besoin. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Oh, des superbes beaux nœuds. Oh, ils sont très très beaux. Super. Très très jolis. Alors, le petit mot avec une très belle carte dans mes couleurs. Alors.
Merci d'avoir participé à mon concours et félicitations d'avoir gagné le deuxième lot. C'est exactement pareil que le premier. Juste les couleurs qui changent. J'espère que ce petit lot te plaira. J'ai essayé de respecter tes goûts. Bah, déjà, ça commence très bien. Le support pour l'école, c'est pour les mettre à l'envers quand on arrive en fin de flacon. Il y a trois diamètres différents, c'est très pratique, je trouve. Je te fais de très gros bisous, Brigitte. Bah, écoute, merci beaucoup, Brigitte. Oh, elle est très belle. Alors, des petites coccinelles violettes, j'en avais encore jamais vu. Super jolie. Alors, tout plein de petites fleurs. Elles sont trop mimi. Ensuite, plein de petits embellissements. Je fais du bruit, hein, je suis désolée. Alors, je vais vous montrer ça. C'est trop mignon, ça, regardez. Oh, c'est trop adorable. Moi, j'adore Brigitte, elle a plein, plein, plein de bonnes idées. Un autre, même genre, ovale. Ah, c'est super sympa, ça. Oh, c'est génial. Ici, un petit nœud. Toujours pareil. Oh, c'est vraiment super comme idée. Bravo, Brigitte. Encore un comme ça. Avec les petites coccinelles, les petits rubans, des fleurs. Ici, tout plein de fleurs. Avec un ruban que je connais. Je pense qu'il vient du même endroit que le mien. J'ai le même. Ça aussi, c'est chouette. Des pages de livres. Et puis, c'est autocollant. C'est super. Très, très beau. Ah, oh, très mignon aussi, ça. Je sais pas où c'est que tu vas chercher toutes tes idées. Oh, c'est chouette, ça, franchement. Pour te mettre dans des junk, c'est génial. Merci pour cette foule d'idées que tu me donnes, là. Et puis, tous ces embellissements qui sont vraiment trop, trop chouettes. Voilà pour les embellissements. Ensuite, on va ouvrir ce paquet. C'est le deuxième lot, mais c'est un très beau lot, hein, franchement. Je vais essayer de couper ça. Ça, c'est pour protéger. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, Brigitte, t'as fait fort. Hein. Un superbe bijou d'album. Tes petits livres que j'adore. C'est super. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, génial. C'est génial. Ah, c'est super. Bravo, c'est magnifique. Bravo, bravo. Ah, c'est super bien fait en plus. Ici, bon, je pense que c'est les supports pour la colle. On va y aller à coups de ciseaux. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, on va tout déglinguer. Eh ben, ça risquait pas de s'envoler, hein. C'est les petits pots. Super. Oh, c'est chouette. Bon, je m'en étais fabriqué un.
Moi, j'avais fait ça avec une boîte de nourriture pour les. Oh, c'est ça, super. Franchement, c'est super. Merci beaucoup, Brigitte. Oh, c'est génial. En plus, c'est très joli sur la table. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Regardez. Tout en dentelle. On est très très beau. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, merci, merci. Mais c'est pas fini. Il y en a encore. Ici. Allez, un petit coup de ciseau. J'aurais dû prendre plus grand comme ciseau, franchement. Ah là là, plein de moulage. Petit cadeau. Plein de petits cadeaux. Un cadre, le même que celui-ci. C'est très joli aussi celui-là. Oh, c'est vraiment trop beau. Après, encore une petite breloque, un petit bijou. Ah, je dis un bijou, il y en a deux. Non, c'est pas des. Ah non, c'est pour faire des bijoux. Ah oui, d'accord. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Toujours avec tes petits livres. J'adore tes petits livres, c'est super joli. Moi qui aime toutes les miniatures, ils sont très très beaux. Avec un éléphant. Petite breloque, l'éléphant, la plume et le petit livre. Ici, bah, tu m'as fait plein de. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom ça. Et les petits morceaux de papier qu'on colle les uns avec les autres. Les chutes de papier, c'est super. Bon, c'est fait comme du washi en fait. Hein. Oh, c'est super chouette ça. Il y en a trois. Ils sont parfumés en plus. Vous les sentir? Sentez? Il y a celui-ci dans les tons plutôt roses. J'espère que je vais avoir le temps de tout vous montrer. Ouais, sympa. Ouais, c'est sympa, franchement. Toutes les petites chutes de papier, c'est une très très bonne idée pour utiliser tous nos petits restes. Ça peut faire un très très beau belly band. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Delph. Elle fait aussi des belly bands avec des chutes, des restes de dentelle. Très très beau ce qu'elle nous fait aussi pour mettre dans les junk. Bon, je les remettrai tout à l'heure. Il y en a encore un. Celui-là dans les tons violets. Ah, il est collé. Il est collé. Dans quel sens? Voilà. Ah, c'est chouette, hein. Super, merci beaucoup. Ah oui, donc tu as tout fait dans mes couleurs, c'est génial. Allez, on se replie. Bon. Voilà. Et enfin, il y a celui-ci. Je ne sais pas du tout comment je filme, hein, parce que là, je fais même pas attention à ce que je vous montre.
si c'est bien, si c'est pas bien. Je pense que je suis dans les clous. Je pense. Voilà. Ah, un calendrier perpétuel. Oh, génial. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est super chouette. Ah, j'adore. J'adore. Il est super beau. Oh là là, merci beaucoup. Magnifique. Le papier, je l'ai. J'adore en plus ce papier-là. Ah, c'est génial. Avec des petits papillons. Oh, tu t'es amusé, franchement. Tu as pris du temps pour faire ça. C'est trop, trop beau. Ben écoute, merci. Merci vraiment de tout cœur, Brigitte. Hein, c'est un super lot. Je vais tout vous étaler. Tout vous remontrer. Allez, on fait un petit tour. Je vous descends pour vous montrer de plus près. Donc là, il y a tous les petits nœuds. Ici, tous les petits embellissements. Le superbe carnet. Enfin, bloc-notes. Le calendrier perpétuel. Les jolies petites fleurs. Les moulages avec les... Je sais plus le nom de ça, de ceci. Les petites breloques, encore des moulages et la très belle carte. Et ben merci beaucoup Brigitte, merci. Allez, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et puis ben à très bientôt. Allez, au revoir.